Bon, salut. Salut à tous. Et Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu me bénisse. Voilà. Juste un petit message pour vous dire que, pas plus tard que ce matin, je vais chercher des clients à la réception. Donc, je trouve le réceptionniste qui avait changé d'hôtel. Je lui dis, tiens, tu es là maintenant, etc. Il a dit, oui, dans mon ancien hôtel, là, ça fait le deuxième mois. Ah bon? C'est vrai qu'il y avait le premier, c'était. Apparemment, il s'était suicidé lui-même avec un coup de couteau. Pour le faire, hein, dans la cuisine, il était un cuisinier. Je crois, un problème de couple, un truc comme ça. Et là, un autre, apparemment, un employé de l'hôtel, hein, était tombé à la renverse. Il était à l'hôtel, à l'étage. Il est tombé à la renverse, il s'est tapé la tête, là, ben. Bon. Un jeune. Donc, ouais. La mort, il y a pas de jeune ou vieux, la mort, elle arrive, il n'y a pas à dire comme ça. Et demain, je viens à 8 h, hein. Demain, je viens à 8 h, prépare-toi. Repends-toi, lave ta conscience, tout, hein. Sois propre parce que j'arrive. Hein? Surtout, n'oublie pas de te purifier. Eh non. Non, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que nous, on n'y pense pas. Le problème, nous, on pense que oui, c'est vrai. C'est vrai, Christ a raison. Mais tu vois, je suis jeune encore. J'ai ma femme, j'ai des enfants, et tu sais, j'aime bien un peu le vendredi, là, et samedi aussi, hein. Et puis la tétine, hein. Et puis la musique, tout ça, la zouké, zouké. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui sont partis en zoukant, là, dans l'enfer direct. Alors, une petite parenthèse, l'enfer, c'est pas fait pour nous, hein. L'enfer, c'est fait pour Satan et ses anges. L'enfer, il a été fait pour ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de troisième voie. Il y a le paradis ou l'enfer. Le purgatoire, c'est un mensonge, encore un mensonge catholique. Hein. Le purgatoire, je le répète, le purgatoire, c'est ici sur la terre. Il faut se purger absolument, ici. Il faut se purger, vite fait. Hein. Il ne faut pas dire demain, oui, Christ, je connais. Comme je vous dis, il n'y a pas de faire part, il n'y a pas de... Repentez-vous. Vite, vite fait, bien fait. Repentez-vous. Il faut être prêt, 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 constamment prêt. Parce que le jour où la mort arrive, le moindre péché nous éloignera de Dieu à jamais. Confessez, réparez, repentez-vous, remboursez, allez voir celui que vous avez blessé, demandez-lui pardon, n'importe. Et ne restez pas comme ça. Je vous en prie, je vous en supplie. C'est trop grave. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne pense pas à ça. On pense que ah, tout le monde fait ça. Hein? Dernièrement, il y a une personne qui jurait, là, qui insultait les gens par les balles, et puis elle faisait sa prière. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je lui dis, ta prière, elle va juste au plafond, hein, c'est tout. Hein? C'est pas possible. Il faut pas. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ils se croient chrétiens maintenant. Oui, moi je suis chrétien, moi, à l'église le dimanche, je fais mon signe de croix. Je brûle une bougie, terminé. Par contre, la semaine, ben, les paroles, c'est des couteaux qui sortent, ça blesse les gens, les petites femmes de temps en temps. Non, désolé, vous allez pouvoir frapper là. Seigneur, Seigneur, Seigneur! Qui êtes-vous? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est très grave, c'est très important. Un appel à la repentance pour vous et pour moi. Pour moi aussi. On a tous à se repentir. Moi qui vous parle, je ne suis pas meilleur que vous. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis repenti. C'est très important. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Sinon, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. C'est important. Pourquoi gâcher notre éternité pour des pacotilles aujourd'hui? Pourquoi gâcher notre vie? On est quand? On est de passage ici. Tout le monde le sait, mais on ne voit pas l'urgence. On pense que on est dans une notion de l'esprit là qui pense que une machination intérieure, je ne sais pas, qui pense qu'on a le temps. Mais Satan, il est derrière. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et pourtant, il dit, t'inquiète pas, d'ailleurs, c'est lui-même qui va vous pousser après. Il va vous pousser après au dernier jour à dire. Faites attention au chant des sirènes. Hein, comme jadis, les chants des sirènes. Et ceux qui écoutent ces chants-là.
voilà un petit pétard là, vas-y. Et de fil en aiguille là, de fil en aiguille, l'esprit aussi va plus bien là. Maintenant, c'est plus le bien, le mal. Ça y est, on peut faire n'importe quoi, même la loi, elle dit amen maintenant. Ça y est, c'est bon. Vous êtes homosexuel, c'est bon. Vous pouvez vous marier, c'est bon. Voilà. Vous pouvez tuer quelqu'un, vous aurez du sursis hein, au tribunal. Ce n'est plus la justice de Dieu, ce n'est plus des choses comme ça. C'est fini. On appelle le bien mal, le mal bien. Écoutez quelque chose que Dieu a mis en vous. C'est la conscience. Écoutez cette conscience et ne vous fabriquez pas une conscience en acceptant des choses qui vous feront rester à la porte du paradis. Vous savez quand vous allez mourir. Sans Dieu, vous irez en enfer, je vous le dis carrément. Mais ce qui est plus grave, c'est pas que vous allez aller en enfer pour 1 an ou 6 mois. Ce sera pour l'éternité. Rappelez-vous de ça. Pour l'éternité.